Surtout que tu l'enlèves et après la chute, tu peux la remettre, quoi. Là, il y a un nouveau protocole. C'est très simple. Tu pars de la forme de base de ta chaise en ayant les pieds là, les pieds là, les pieds là. Le cap du bas et le cap du haut. Ouais, je me suis dit, ah non, ça va aller. Une fois que tu remplis ta structure aléatoirement comme tu le sens, avec tes médianes, en partant de ta médiane principale, hein, t'en arrives à pouvoir enlever de la matière. Donc par exemple, ici je peux faire sauter, ici je peux faire sauter, ici je peux faire sauter, et t'en arrives à avoir des pieds libres. Et tu vois, tu regardes la chaise de Luc, et ben, on dirait qu'il l'a fabriqué direct comme ça, tu vois. Du coup, c'est ça qui devient intéressant. C'est hyper profond. Ouais, c'est clair. Mais du coup, faut que dans ton design process, faut pas que tu t'arrêtes à cet acquis qui est cool, tu vois. Justement, tu cherches, d'accord. Parce que le pied, c'est parti d'une pignole, mais ça peut aller trop loin, mec. Bon, allez. C'est parti. Bon, on teste, hein. 9. Lunettes. Des fois ça, te pète à la gueule, ça se met à tourner et partout. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit? Allez, pas ici l'accepter. On va boire une bière.